Quelqu'un me comprend ce soir? Si toi tu penses que ta bénédiction, le jour est à 300 millions, il y a des gens quand ils l'ouvrent et il sort, il a 500 millions. Cette personne-là te dira que tu es inférieur à lui. Or, quand tu es béni, tu dois être supérieur à tout le monde, pas inférieur aux gens. Ça veut dire, Dieu ne pourra pas te bénir avec 500 millions, Dieu te bénit au-delà de ce que l'homme peut avoir le jour. C'est ça la saison d'un homme. Voilà pourquoi Abimélec ne pouvait pas se comparer à Isaac. Parce que Isaac avait touché des choses qui étaient au-delà d'Abimélec. Alléluia. Abimélec qui était le roi. Si Dieu bénissait Isaac en bas ou inférieur à Abimélec, Abimélec n'allait pas respecter Isaac. Pour qu'il y ait le respect entre Isaac et Abimélec, il faille que Dieu bénisse Isaac au-delà d'Abimélec. Pour qu'il y ait le respect dans ta famille, je déclare au nom de Jésus, il n'y aura pas un homme riche plus que toi dans ta famille. Parce que s'il y a des hommes plus que toi dans la famille, il y aura comparaison. Quand tu vas ouvrir la saison, tu seras la femme la plus importante de ta famille. Tu seras l'homme le plus important de ta famille. Tu seras la femme la plus élevée de ta famille. Il n'y aura pas quelqu'un dans ta famille qui sera égal à toi. Dans la saison, il n'y a pas des égales. Nous, avec Dieu, nous sommes au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi il déclare, vous serez la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que...